Jusqu'à présent, je n'ai jamais osé y pénétrer. L'Amazonie, le lieu le plus sauvage de la planète, me paraissait trop redoutable. Là, ce sera juste moi, tout seul dans la jungle, sans aucune route, sans aucune piste. Juste au milieu des arbres. Mais on y croit, malgré le poids du sac. C'est dingue comme des fois, il y a des obstacles qui nous semblent infranchissables et on finit toujours par y arriver. C'est un livre écrit en 1950 qui finit par me convaincre. Aventure en Guyane de Raymond Maufré. Je sais pas si c'est parce que je vais sur les traces d'un mort, mais en fait j'ai peur. Je vais être complètement prisonnier des lianes. J'ai l'impression d'être bientôt au-delà de mes limites là. Je sais pas comment passer. J'arrive pas à passer. Putain, c'est la tempête là! Y'a ma vache qui fuit! Le problème c'est la bouffe. J'en ai plus assez, je me rationne trop. Là ça va pas, voilà. J'ai l'impression que mon corps me lâche. Raymond Maufré n'est jamais revenu de cette expédition. Alors j'ai décidé de la finir, de finir son rêve. J'ai jamais passé autant de temps seul. C'est une première. La poste ! Oui, monsieur Dacre. Ah non. Il y a toute une famille de singes hurleurs et une autre de singes araignées. Anaconda, c'est l'heure de la soupe. Bah, espérons que ça marche, parce que sinon ça sert vraiment à rien, quoi. Si je veux vivre, il faut que j'arrive là où Maufré a échoué. Oh, j'ai envie de pleurer, putain. Je suis un peu pris là par le choc, parce que j'ai eu peur. J'ai l'impression que je suis en train de faire les mêmes erreurs que Raymond Maufré et de me laisser enfermer ici, là. Je suis vraiment très maigre. Regardez un peu tout ce soleil, tout cet espace. C'est la première fois que ça m'arrive depuis des semaines. Vous avez vu la taille de ce truc? J'ai l'impression d'avoir atteint la jungle dont j'ai toujours rêvé en fait. C'est la plus belle expédition de toute ma vie.